mon père, son grand-père, soit tout le monde a fait du bois dans la famille. Alors avec mon frère, on est tombé dedans, on était petit. Tous les samedis, tous les week-ends, on est à la forêt. Puis comme on s'y plaît bien, ben on y revient. C'est notre coin, quoi. C'est assez physique, ouais. Avec l'âge qui avance en plus. Mais ça nous maintient en forme. Au lieu de faire du vélo, ou, on va à la forêt, on fait du bois. Jean, c'est mon frère. Quand on a parlé d'un abattage à l'ancienne, tout de suite, il était là. Il était bien là. Il a envie de, comme on dit ici, il a envie de schlaguer. C'est des haches qui coupent tellement qu'une fois qu'on a essayé, on a envie de les faire aller. On peut presque pas s'arrêter, tellement ça coupe. Le bûcheronnage à l'ancienne, c'est parti d'un ami qui fait des haches. Et là, on a sorti les vieux outils, les haches, les passe-partout. Quelques fois par année, ben, on sort nos outils, on va à la forêt, on fait des abattages à l'ancienne. On y va, on part. Attention! Moi, je suis forgeron ferronnier d'art et peut-être un peu taillandier par passion, parce que taillandier, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est outils taillants. On peut avoir des pics, des haches, des pioches, des bêches, de tout ce qui est vraiment fait pour l'agriculture, le bûcheronnage et autres. Je crois que la hache, c'est un outil qui est primitif, qui a traversé tous les âges. Donc on retrouve des haches de l'époque du bronze, de l'époque du fer, et puis pour moi c'était une pièce vraiment extraordinaire à refaire, à fabriquer, quoi. Les haches que je fabrique, elles ont la particularité d'avoir un morceau d'acier suédois devant. C'est un acier qui est aujourd'hui difficile à trouver, mais j'ai encore un peu de stock. Ça permet d'une part de ménager un petit peu l'acier, puisque je soude finalement qu'une petite bande devant, ce qui est amplement suffisant pour une hache. Et puis la deuxième particularité, c'est le tranchant. Donc le tranchant de cette hache sera inégalé. Elle doit être solide, elle doit tenir dans les nœuds, ça doit bien couper et ça doit s'affûter facilement. Il n'y a que des passionnés pour acheter des haches comme ça, parce qu'on trouve dans le commerce des haches qui sont nettement moins chères, qui sont accessibles à tout le monde, mais finalement, qu'est-ce que font les gens avec une hache aujourd'hui? Ils coupent un peu du bois et puis voilà, ça s'arrête là. On va gentiment être dans les derniers à fabriquer des haches. Les derniers forgerons que je connais qui fabriquent des haches arrête gentiment de fabriquer des haches et puis on peut aller loin, loin à la ronde pour trouver encore quelqu'un qui fait des haches. Alors avec mon frère, on fait les deux le même métier. C'est drôle parce que des fois, on se relève l'un à l'autre, on fait le même train, des fois on est dans le même tunnel l'un devant l'autre. On a beaucoup de liberté de faire des horaires complètement différents, travailler le soir, travailler le matin, la nuit, et d'avoir des congés en semaine. On peut vraiment se ressourcer en venant à la forêt. Mon père, à l'époque, il a voulu faire mécanicien de locomotive. Je crois qu'il a fait deux ou troisième, mais il a été recalé. Il est rentré aux forces motrices bernoises. Après, il a pris le dicaster à la commune de la forêt. Je suis allé faire un cours de bûcheron. J'ai pris mes vacances là-dessus. J'ai demandé aux forces motrices si je peux avoir une semaine de congé. On va aller faire un cours de bûcheron. Puis il était d'accord, puis je suis allé. Voilà le cheval qui vient. Salut! Ça va, les... Ouais? Ça va? Toi? Ouais. Qu'est-ce que tu... T'es dans les archives? Oui, tu as tiré ça en avant. Ben, c'est bien. Tu vois? Ah, tu vois cette tête là dans les 8 ans. Le Tony! Là, on a vécu une belle période. Le cheval était vraiment exceptionnel. Télécommandé, il obéissait à la voix à distance. Il était âgé, hein, il avait déjà 14 ans. 14 ans, 15 ans, ouais. Dans l'école, le FATRE, il soumissionnait avec un... Ils étaient trois, ils soumissionnaient des coupes. Et puis le mercredi après-midi, puis samedi après-midi, il fallait aller vers eux. Soit ils ramassaient des copeaux pour les brûler dans le fourneau. J'avais 10, 11 ans, 12 ans. C'était ça notre travail. Le dimanche, même qu'il pleuvait, on allait à la forêt, prenait les gosses, puis hop, à la forêt, peut-être pour décharger la boîte, qu'elle soit un peu plus libre. Et vous pensez que c'est vous qui leur avez transmis le virus de... Ben, il faut croire. Ouais. Moi, je l'ai su depuis le FATRE, mon FATRE, quoi. C'est dans les gènes maintenant. Ah ouais, ça continue. Ah ouais. Qu'est à quel âge maintenant? Un peu plus que 94. La forêt était sacrée. Je donnais tout pour la forêt. Dans notre métier de conducteur de train, à la fin de la journée, on a créé un service, mais on n'a rien dans les mains. C'est pour ça que je suis parti dans la menuiserie, le bois, parce que j'ai toujours aimé trafiquer avec du bois. Pour faire un manche, il me faut beaucoup de temps. J'ai le temps de gamberger dans le ciboulot. Je ne suis pas payé à l'heure, alors je prends le temps que je veux. Je fais des manches que tu ne trouves pas sur le marché. En fonction de la grandeur de CH, de l'utilité de CH, on fabrique le manche qui est adapté. Puis après, il faut aussi l'adapter à la grandeur de la main de celui qui l'utilise. C'est des manches sur mesure. Je connais les frères Gertz, je pense, depuis plus de 10 ans. Pierre-André est venu habiter dans le quartier ici. Lui, il avait entendu le bruit de l'enclume depuis dehors, puis il est venu sans autre à la forge. On s'est lié d'amitié tout de suite, et puis voilà. Donc lui, il travaille le bois, moi je travaille le fer, et puis ça a été tout de suite la collaboration. Il est presque moche. Ben oui. Puis toi, t'as fini cette hache? Ouais, j'ai fini cette hache. Ah, on en a de bleu. Ah ouais. Oh, c'est du velours, ça. Qu'est-ce que tu as choisi comme bois? Ben, c'est toujours de la lisier. Elle a un beau rayon. Ouais. Puis il y a un guillochage. T'es quand même un artiste. Hein. On dit qu'un outil qui est richement décoré, c'est un outil qui a fait vraiment plaisir à celui qui l'a fabriqué et à celui qui va l'utiliser. Bon, le test est réussi. Moi, je te laisse finir ce manche. Alors ciao. Hein. Ciao, à la prochaine. Serge, il ne fait pas des haches à fendre, il fait des haches qui coupent. Ces haches, puis ces manches, on peut dire que c'est quasi seulement pour les gens qui ont envie de travailler un peu à l'ancienne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qui c'est qui veut couper un arbre avec une hache? Ça n'existe plus. C'est clair qu'on n'aurait pas un forgeron sur place. Toute cette histoire d'abattage n'existerait pas. Salut, ça va? Ah ouais, tu veux faire quoi avec? Ben, tu veux bien aller pour tailler une poutre. Ah, dans tes planches. Le passage, il est là. Ça fait à gauche, pas qu'il croche, il n'a pas beaucoup d'élan. Hein. Parce qu'il va dans l'épicier, on est mal. Hein. Traite ici. Non, mais il veut passer. Voilà. Bon, bah, bien sûr, avec mon nez, ça rallonge la tonne. Regarde, si je l'ai à côté de l'œil toujours... ou si je l'ai sur le nez, je dois... T'as toujours des sapins 2 mètres plus longs. Donc là, on est pile poil. Là, on serait à peu près juste, ouais. Ouais, moi, je suis déjà trop loin, alors. Tu serais déjà trop loin? Ouais. Ouais, tu l'as sur l'œil. Ça, c'est vers l'œil ou bien ça, tu me mets sur le nez, ça dépend. Alors, sur le nez, ça ici. Tu mets au pied de l'arbre en bas. Ouais. Et puis, tu bouges pas. Sans bouger cette partie-ci, tu regardes avec l'œil. Ouais. Que ça ici, ça doit être à la cime. Oh, alors la partie supérieure. Tu vois? On est trop court. Eh ouais. Alors, on verra. Les paris sont ouverts. Ouais. Quand on est forgeron, on fabrique des outils pour les autres. Donc forcément, on s'intéresse aussi à ces métiers anciens. Moi, l'idée, c'était de dire, mais j'aimerais voir ce que mon grand-père a vécu, puis couper des arbres comme lui, il l'a fait, pour voir la difficulté et la rudesse du métier. Comme ça, on n'a pas d'âge qui traîne. C'est pas de la nostalgie, c'est... Je pense que ça s'est passé comme ça. On avait ça à la maison, on a toujours eu ça dans les mains. Soit des tournises, des marteaux, des haches. On a toujours travaillé là-dedans. C'est bon, je peux marquer? Ouais, c'est tout bon. J'ai tout enlevé, j'ai tout mâché le travail. On dit qu'on ne trouve pas des pommes sous un poirier. Maca, c'est mon fils, c'est l'aîné qui a fait une formation de bûcheron et maintenant il continue garde forestier. Quand on a des enfants qu'on ne doit pas pousser à faire quelque chose, qu'ils choisissent d'eux-mêmes, on peut être que fier. Allez. Ils sont cachés où? On est là. Salut, monsieur Gertz. Ça va? Allez. 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 Ça va? Ouais. Bon, ça va. Et je veux que ça allait mieux. Ces médicaments, c'est pas formidable. Allez, faire le feu aussi encore. Ouais, faire le feu. Moi, j'entends toujours les coups d'âge. Pour écouter où c'était, puis j'attends derrière. Mais ils sont là, il faut les 4 heures ou bien quoi? Même pas les 9 heures encore. Ouais, tu peux ouvrir, ça donne... Ah, mais là, ça vient. Ah ouais, ça vient. Ah, elle est bien partie, hein. Ouais. Nous, quand on faisait les coupes de bois, la première des choses, il me fallait faire un feu. Avant de faire quelque chose, faire du feu. On faisait du feu, prenait les 9 heures. Ah ouais. Et puis ça, c'est fini maintenant, tu fais plus, hein. Aujourd'hui, quand on est bûcheron professionnel, on n'a plus le temps de faire du feu. Ben, très rarement, on n'a pas le temps d'écouter les oiseaux siffler ou ben les bruits de la nature. Quoi. Tandis que là, tu peux aller un peu à ton rythme. Il n'y a personne qui est derrière, qui a besoin de rendement. Une entreprise, ben, elle doit tourner. Donc, quand tu bûcheronnes, tu t'arrêtes pas trop. C'est un peu à la chaîne, quoi, comme à l'usine. Ouais, à 1 mètre, à contre le, à droite du blanc. Ah, ben où tu es, c'est tip top là. Ça tape pas sur le caillou, ça tape pas sur le tronc. Voilà. Le choix du couloir. Bon, moi je le mettrai ici. Vas-y, il a 1 mètre juste devant toi là. Ben on verra. Hein? Mais non, mais faut le mettre à gauche, s'il emmerde un peu dans ses broches, mais il est déjà passé. Tu le prends bien. Mais qu'il n'a pas assez des broches. À droite. Ah, décidez-vous entre vous, moi, c'est pas moi qui le fais en bas. Hein. Les dirigeants, ils ont dit à droite. Alors c'est à droite. Mais moi, je l'aurais mis à gauche. Mais ils vous écoutent plus ou quoi? Oh non. Non, non, c'est trop vieux. Ils ont leurs idées, hein, donc moi je les laisse faire. On était 2 contre 2, t'as décidé à gauche, on le met à gauche. Le grand-père il surveille. On a intérêt à faire juste et il est assez strict. Ah, il a l'expérience. Alors on écoute. On fait. Comme il dit. Voilà. Parfait. Au revoir. Ouais. Un peu de mon côté. Ouais, ben... je te laisse apprécier maintenant. Hein. Ouais. Faut t'apprendre le coin de gauche là. Ah, il veut s'appuyer. Il s'appuie sur l'autre. Oh merde. Ben il est droit bien. Il est où on voulait. Yes! La team, elle est bonne. Oui, la team, elle est bonne. On voulait à gauche du caillou. C'est les branches qui ont dirigé après, puis c'est comme ça. Mais c'est l'essentiel qu'il est bien. Le bois qu'on a abattu, il y a toujours eu une utilité, c'est à la fin on ne coupe pas au bout de 30 et qu'on les brûle. Et on fait 1 ou 2 poutres, après il finira la scierie pour faire des nichoirs à martinet. C'est pas gaspillé. Faire une poutre à la hache, c'est un travail considérable. Mais le fait de donner des coups d'hache avec les outils de Serge, tellement bien affûtés, je pense que si quelqu'un commence avec ces outils-là, il va continuer. C'est pas possible autrement. Nous, dans le groupe, enfin, c'est comme ça, mais on a le moral inversement proportionnel à la distance qui nous sépare de la forêt. Eh bien, fort. Fort les outils, fort le temps, faut venir, fort la passion, aimer la forêt, le bois. Tu crois santé? Il y a un dicton qui dit que quand on n'a pas de forgeron, on n'a pas d'outils. Quand on n'a pas d'outils, on n'a pas de travail. Et quand on n'a pas de travail, on n'a pas de pain. Tant qu'il y aura des forgerons, il y aura des bûcherons.